Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne qui vous donne information sans problème. Pays Canada a sanctionné 3 membres dans le secteur privé haïtien. Renal Dip, Sherif Abdallah et Gilbert Bidjo. Mounsayo a gagné tout bien yo gelé dans le pays Canada et yo pas capable d'aller dans le pays ici. Directeur central de la police administrative de CPA, inspecteur général Joanny Caneus, installé samedi 3 décembre dans la ville de Gonaïve, commissaire divisionnaire Jean-Buisson Mientil comme directeur départemental police dans la Tibonite. Commissaire Jean Jean-Buisson Mientil remplacé Ralph Dominique qui transféré dans la direction centrale dans Port-au-Prince. Après initiative planté yoté prend pour bloquer route nationale numéro 1 pour protester contre bandits qui payent volé et la trier bandit gang griffio paraît simaye katouche pour faire population rentrer la caille. La police a pas de printemps pour te contrecarrer bandits. Coordonnatrice sans programme VIH SIDA dans la direction départementale santé en Latibonite Miss Ketura Rinche. Dans le cadre de la journée mondiale maladie VIH-SIDA, fait qu'on est, ils mettent sous pied un ensemble d'activités, non seulement pour rendre hommage à tout le monde qui mourit avec maladie ça, mais ils visent pour l'année 2030 pour gagner zéro monde qui trappe maladie VIH-SIDA. Divers nègres à examen saisis, sortis 30 novembre pour arriver 1er décembre, 5 bus qui fait trafic à plusieurs machines privées avec une machine qui a porté gaz dans la commune de Liancourt. Président APCH l'a changé, mais il a demandé aux autorités dans le pays pour rétablir la sécurité dans le pays pour permettre à la population capable de vivre plus bien. Dérapé information dans la ville de Gonaïve. Directeur central police administrative de CPA, inspecteur général Joanny Caneus, installé samedi 3 décembre 2022 dans la ville de Gonaïve, commissaire divisionnaire Jean-Buisson Mientil comme directeur départemental police là dans la Tibonite. Commissaire divisionnaire Jean-Buisson Mientil remplacé commissaire divisionnaire Ralph Dominique qui transféré dans la direction centrale dans Port-au-Prince. Nouveau directeur PNH là, dans le département de la Tibonite, commissaire divisionnaire Jean-Buisson Mientil, promet pour le travail serré à toute structure police là, dans le département pour combattre bandits. Installation ça a été faite en présence du commissaire gouvernement Ville-Gonaïve, M. Gaziris, et président conseil exécutif intérimaire Ville-Gonaïve, Donald Diogène. En temps de déclaration, nouveau directeur départemental police là, dans la Tibonite, commissaire divisionnaire Jean-Buisson Mientil. Je remercie le directeur général là pour le choix qu'il fait de moi pour venir commander le département de la Tibonite. C'est un département que je travaille là-dedans déjà et je retourne travailler là-dedans. Je travaille là-dedans, je me déploie dans la police en 1995 et c'est un honneur pour moi pour retourner aujourd'hui à là-dedans comme directeur départemental. Moi, je vois tout ça, policier, la Tibonite fait déjà. Mon travail avec nous, mon travail en synergie dans l'opération, nous avons qui ça nous a fait, qui ça nous a fait. Moi, ouais, tout est fort. Moi, connais tout sacrifice que nous faisons. Et nous connaissons ça déjà. Et toujours mieux pour nous faire plus. Et moi, là, pour aider nous faire plus. Nous sommes un agent, une mot en plus, dans le temps. Nous sommes un agent SDPJ en plus avec nous. En ce qui concerne les cadres, je connais tout effort que vous faites pour vous qu'il moral policier. Cependant, il y a des insatisfactions. Tout. Parce que mon sur route là estime que il y a des problèmes qui et de temps en temps cap développé, surtout dans la route et consondé pour arriver à Mirbalet. Qui ça m'a dit, nous, cadre. Chaque monde a une responsabilité. Ce n'est pas DDA qui va jouer le rôle commissaire ni inspecteur. Tout cadre qui travaille dans le département là, qui compose de responsabilité. Il y a 20 jours pour démontrer qui ça que vous avez fait et le travail que nous allons faire. C'est sous méthode par nous. C'est approche par compétence. Tout le monde suppose qu'il y a un mérite poste. Et tout le monde qui est en juridiction
D'abord, c'est une responsabilité PAL, c'est la responsabilité DDA. Et DDA vient pour fixer toute responsabilité et supposé garder rendement chaque monde dans le poste qui est occupé. Personne n'a un poste qui dit poste ça, c'est poste PAL, c'est pas le rendement là-dedans. Dans 20 jours, tout cadre qui est pour démontrer qui ça a fait, il y a travail avec, venir avec côté nous là, pour demander nos supports qui sont capables pour nous porter amélioration dans le cadre de travail. Toute juridiction et un chef, tout chef supposé comporter un responsable. DDA, pas de rôle, personne, mais nous venons pour l'encadrer nous. Et m'a dit merci à tout le monde qui parle côté collaboration avec nous. Nous connaissons nos représentants, la justice là, qui est là, le commissaire gouvernement. Et nous travaillons déjà, nous rencontrons déjà. Nous, c'est pas un monde que moi pour la première fois. Et nous sentons que bien encadré avec lui et que la justice va permettre que nous avançons. Nous sommes des déclarations, nouveau directeur départemental police à Latibonite, commissaire Jean-Brice Miantil. On l'autre côté, nouveau directeur police là, Jean-Brice Miantil, dans la première intervention fait dans micro journaliste, fait qu'on est li pas promettre la population Latibonite là qui ça le pral fait. Commissaire divisionnaire Jean-Brice Miantil, une autre fois encore déclaré, li bay 20 jours pour tout un responsable commissariat yo présenter un plan de travail yo pour rétablir sécurité dans département Latibonite là. Entendez pour une deuxième fois déclaration directeur départemental police dans Latibonite, Jean-Brice Miantil. On dit que chaque responsable, yo, commandant de juridiction, il a 20 jours pour prouver que il a une capacité pour gérer pour ça. Il a un poste à quelque temps. On est à nos venir là, son autre approche. Approche par nous, c'est approche par compétence. Il faut que nous soyons compétents pour poste là, pour rester là-dedans. Donc, c'est ça, nous dit en gros. Donc, il y a 20 jours pour venir avec plan, yo. Ensuite pour nous dire, mais qui plan au gain dans chaque zone, mais qui plan au gain pour juridiction de Saint-Marc, qui plan au gain pour juridiction de Ponson, de Verre, tout ça, yo. Pour nous connaître route ça, yo. Qui plan au gain nous-mêmes, l'indiction départementale là, pour nous accompagner, yo. Pour nous bailler tout moyen nécessaire pour accomplir mission. Et pas travail DDA lié, c'est travail l'ensemble du commandement départemental qui gagne tout ça là. Mon directeur, c'est ça vient donc qui sont qu'à promettre à la population. La police va travailler sous promesse, la police gagne plan que le gagne pour l'exécuter et la chercher moyen pour atteindre l'objectif. Nous entendons les déclarations directeur départemental police là dans Latibonite, commissaire divisionnaire Jean-Brice Miantil. N'a toujours été dans le cadre d'installation nouveau directeur départemental police là qui bail un ultimatum en 20 jours bail un responsable en juridiction dans le département pour montrer capacité yo pour capable diriger commissariat yo ak unité yo sinon yo capable remplacer yo échéance là à bout 23 décembre cap vini là. C'est déjà gain retombé positif sous population antibonicienne. C'est comme ça, commissariat ville Saint-Marc là montré ses premiers qui conforme à nouvelle disposition yo pendant le mettre main à dimanche 4 décembre 2022 sous Jean Sylvain, un membre influent dans réseau gang Savien dans zone Moropeil Douai, une localité dans Tirivière Latibonite. Son patrouille en police dans ville Saint-Marc qui fait arrestation c'est là. Pour journée lundi 5 décembre 2022, tant que Jean Saté annoncé pendant plusieurs jours dans la Tibonite, levé bloqué dans plusieurs niveaux pour demander la police prendre responsabilité pour déchouquer gang Savien qui a imposé loi dans le département. Pendant dernier jour ça yo, gang nan fait en pile kidnapping dans la commune Liancou, en pile jeune qui t'a traversé pour aller Port-au-Prince avec mis au balai violé. Transport en commun verrette pour passer coupon pour arriver dans le Carrefour Liancou fait timidement à quelques camionnettes et taxi moto. Majorité activité haute au ralenti pour journée lundi 5 décembre 2022. D'après remarque, plusieurs moun ont fait côté plusieurs camions qui fait trajet. Elias Pin campé tout chargé devant le commissariat Liancou à cause route bloquée. Fon s'y aller, d'après dernière information qui t'arrive et joindre nous, dans mi-temps journée, environ 13 motos, Bodi Savien yo, prend dans zone nan Pac Choual, toujours dans le département Latibonite là.
N'a pas quitté le département de la Tibonite, là, nous pour aller dans le département nord-ouest pays, en commissaire divisionnaire Yacinthe Louis Edner, remplacé commissaire divisionnaire Jean-Bouis Samiantil, après 8 mois dans le département nord-ouest, là, il est transféré dans le département de la Tibonite. Installation ça a réalisé pendant week-end, samedi 3 décembre 2022, sous initiative IGPNH, Joannis Canéis, qui mandait directeur sortant à commissaire divisionnaire Jean-Bouis Samiantil, ni directeur entrant, commissaire divisionnaire Yacinthe Louis Edner, pour toujours collaborer ni avec autorité locale pour être capable de sécuriser le département. Plus de détails, correspondant nous, c'est Jean Whiskis, depuis le département nord-ouest pays. Inspecteur général PNH, Joanny Caneus, installé pendant le week-end samedi 3 décembre 2022, ça, dans tête police nord-ouest, non, commissaire divisionnaire Yacinthe Louis Edner, qui remplace dans force là Jean-Bouis Mitil, transféré dans le département Latibonite. IGPNH, là, Joanny Caneus, qui était possédé à l'installation là, en présence de diverses autorités dans le département nord-ouest, non, mandé pour nouveau directeur Yacinthe Louis Edner continue même Jean ancien directeur Jean-Bruce Mitil collaborer avec toute instance pour sécurité à continuer établir tout bon au niveau des battements d'ouest là Joanny Caneus. Donc trois piliers importants qui puissent permettre au directeur départemental de bien remplir sa fonction. Alors, pour ce faire, un directeur départemental doit chercher à avoir de très bonnes relations avec les autorités locales, la justice, les autorités politiques, les notables, la population en général, la presse surtout. Nouveau directeur, Yacinthe Louis Edner, dans l'intervention. Pour mettre pour sécuriser le département de l'Ouest, nouveau directeur a continué pour le dire tout. Tibouadon, qui trouvait entre Nord-Ouest et la Tibonite, une zone bandit monté quartier général chaque jour bon Dieu mette, pour le connaître l'autre nom, grâce à la confiance qu'il est placé dans les policiers. Il y a 7 Wittner. Policiers dans Nord-Ouest, pas des gens désespérés. Au contraire, il y a gardé confiance, il y a nourri l'espoir. Et avec la foi, pour continuer à combattre Tibouadon. Pour ne pas gagner Tibouadon encore, pour gagner femme Tibouadon. Pour gagner Tibouadon femme. C'est ça m'espérer. Et m'espérer que nous fait ça main dans la main. N'a pas rappelé ancien directeur départemental police nord-ouest, nan, commissaire divisionnaire Jean-Bruce Mitil, qui joint transfert pour le département de la Tibouni après le saut passé 8 mois dans le nord-ouest, dans le combat phénomène d'insécurité sous toute forme. N'a pas retourné dans le département de la Tibonite, là, coordonnatrice en programme VIH SIDA dans la direction départementale santé dans la Tibonite, Miss Ketura Rinchel, dans le cadre de la journée mondiale de la maladie VIH SIDA, fait qu'on est, yon mette sous pied, yon ensemble activité pour rendre hommage à tout le monde qui était mort avec la maladie SIDA, et puis encourager SIDA, qui déjà sous traitement, pour continuer, parce que yon gain espoir pour continuer à vivre. Coordonnatrice sa programme VIH-SIDA, Miss Ketura Rincher, déclaré objectif yo visé pour année 2030, lan, c'est pour gagner zéro moun qui trape maladie dans le pays. En temps de déclaration, coordonnatrice sa programme VIH-SIDA dans la direction départementale santé dans la Tibonite, Miss Ketura Rincher. Année ça, nous avons tout une série d'activités, nous avons commencé à mettre sous pied. Une façon pour nous capables, premièrement, rendre hommage à tout le monde qui est mort en bas VIH-SIDA et puis encourager ça qui déjà sous traitement, puis continuer le traitement parce qu'il y a espoir pour que vous vivez avec le virus là dans ça et mener une vie normale. Et aussi sensibiliser l'autre secteur qui doit porter appui dans le cadre du programme ça pour permettre que les VVIH nous rejoignent plus bon soin et puis tout mener. En fait, atteindre l'objectif nous fixé d'ici 2030 pour que nous gagnions zéro sida dans le monde. Donc, thème yo te kembe ane sa, en français, yo te dit poussons pour l'égalité. Thème ça, li vini après plusieurs autres thèmes yo te choisi dans l'année antérieure, l'année qui te passé, yo, mais il y a le même sens là. Côté, yo te dit c'est mettre fin aux inégalités, te gagnon c'était mettre fin aux pandémies et mettre fin au sida.
Gen yon cellule plaidoyer communication qui est dans ministère santé publique qui précisément la unité de contrôle des maladies infectieuses et transmissibles qui traduit thème ça ou du moins qui adapte en créole et qui fait ce thème ça nous-mêmes nous retenu dans pays d'Haïti qui c'est en continu travail pour tout le monde gagner même droit. Thème ça met accent sur inégalité. Inégalité ça yo c'est nous qu'a dit en bon créole ça ou les fausses côtés. C'est eux-mêmes qui servent en pour son petit barrière qui là qui empêche nous ou du moins qui fait nous pas clair. Atteindre objectif 2030 là côté nous dit nous pas d'accord pour ta gagner monde qui fait sida et pour ta gagner l'autre monde qui vient infecter à maladie ça. Inégalité ça yo chita sous diverses questions. Tant qu'on l'a aspect économique là, nous avons situation sociale, situation culturelle avec juridique. Il a empêché tout le monde d'avoir accès avec bon soin santé. Il a empêché en particulier PVVIH, ça veut dire monde qui vit avec virus sida dans sang yo, il a empêché monde ça yo capable de faire dépistage, gens yo vle, les vle, al prendre médicament, jeune médicament, les vle, gens vle, al rendez-vous yo, faire test de suivi yo tout. Yo tout konn pas capable joindre service ça yo, j'aime dire noir dans n'importe qui sans côté yo t'a besoin aller. On imagine dans le pays qui se vient là, route barrée, des manifestations, des insécurités, un pile de monde pas qu'à sortir à la caillou et à l'ensemble santé. Professionnels, il y a un pile qui vont livrer les médicaments à la caillou ou bien dans des points de prestation, ils ne sont pas capables de faire ça tout. Là, nous avons l'autre facteur, par exemple, la pandémie qui se passe, la pandémie à Covid, là, c'est un problème tout. Actuellement, nous avons choléra au niveau du département qui a frappé fort. Tout ça, c'est des freins qui empêchent nous d'atteindre l'objectif 2030. Là. Mais notre travail, pour en dépit de tout bagage, ça n'a pas empêché que nous arrivions dans la phase où nous disons en 2030, pas de monde encore, qui vivent, qui fait sida, qui développent maladie, et n'a empêché que l'autre monde soit contaminé par le virus. Là. Pour ça, c'est essentiel pour avoir un bon engagement politique. Qui pour permettre bien réforme dans la loi, qui pour permettre bien l'autre loi qui vote, qui a promulgué ça qu'il a déjà eu, sous question protection monde, sous question respecter droit monde, sous question bay moun accès pour yon capable de jouer un bon soin, bay accès pour yon capable de jouer un bon genre éducation, parce que là nous gardons. Non, il y a un problème nous dans le pays, nous avons une population qui manque éduquée. Donc, il faut tout le monde capable d'éduquer pour qu'on comprenne comment la santé est une priorité. Pour la santé, capable de valeur pour eux, pour aller prendre soin de eux. Nous sommes en déclaration, Miss Ketura Rinche. Nous avons parlé dans Balatibonite après l'initiative président Plantin qui prend pour bloquer la route nationale numéro 1 pour protester contre les bandits qui ont pillé, volé et la trié. Bandi Grand Griffio paraît si maille katouche pour faire population entrer la caille. La police n'a pas de temps pour contre carré. Ça qui la cause toute activité a été paralysée dans Valéa, juin lundi 5 décembre 2022. Nous allons vite entendre un reportage à collaborateur nous, Milsa Madevis. Dans l'idée pour forcer l'autorité, prendre mesure pour mettre fin à exactement malhonnête bandi a posé dans Valéa, paysan planté, Valéa la Tibonite, arrangé. Bloquer toute route nationale numéro 1, sorti terre noire, ponçon de Moopay, Kafoupay, rive Savary, pour nous citer ça seulement. Paysans plantés, vous faites connaître, bandits, vous faites une plus pauvre, à cause de obligé par le travail, vous n'avez pas paysans plantés, qui fait partie du mouvement, levé campé ça, qui parle de non-cité, t'es parlé comme ça. Vous imaginez nos plantés, vous n'avez pas qu'à planter. Toute théorie ta terre pas ka travail tout monde nan kou ou regarde ces petits grands monde qui va dormir devant votre caï monde gè moun c'est sur place Philippe Guerrier yo obligé chaque soir ou jeter corps monde qui pas gè moun la ville ou pas bon on côté que te ka descendre bagay moun casé business moun volé à faire moun côté pour jeune nèg ça encore yo même encore ka vieux les petites moun vieux les femmes destin nous amène nous bloquer route nationale numéro 1 nous mandi ensemble avec ministre Ariel en tant que nèg la Tibonite nèg petite rivière de la Tibonite Ricapoa Ariel, bon conscience, ça veut dire exactement pour bon bagaille pour faire. Son bagaille pour le département, son bagaille pour la caillou, quand on est sorti. Bandi ça vient débarquer dans la zone Kafoupay, tirer dans toute direction, tout paysan qui quitte la localité. Commissaire police principal arrondissement, Mathias Jean-David, présenté Jean-Sylvain 27 l'année,
comme bandit actif dans base Grand Griffe, ça veut la ville commune Rivière la Tibonite, Kéridmo Saint-Marc, accompagné police Inara, mettez mes souli dimanche 4 décembre 2021 dans commune Liancourt. Merci en pile 1100 Madeus. Pays Canada sanctionné 3 membres secteur privé haïtien qui c'est Renold Jeep, Chérif Abdallah ak Gilbert Bidjo. Sanctions internationales yo frappé désormais secteur privé. Ministre Affaires étrangères Mélanie Joly annoncé jeudi lundi 5 décembre 2022 que Canada pral imposer plusieurs sanctions supplémentaires en vertu des règlements sous mesures économiques spécialement qui visaient Haïti en réponse inacceptable membre élite haïtienne capoter soutien financier et opérationnel by gang armé dans pays. Dernier sanction ça visé 3 membres dans l'élite économique pays d'Haïti qui c'est Gilbert Bidjo, Renold Dip ak Chérif Abdallah. Il impose une interdiction transaction qui gagne pour effet gelé tout ça au gain dans pays et Canada d'après dernière information qui t'a venu joindre nous. Canada dit qu'il y a raison pour quoi que moun sa yo utilise statut membre gagnant pour cap nan comme élite économique paysan pour protéger et puis permettre activité illégale gang criminel yo, notamment blanchiment l'argent avec l'autre zak corruption. Gang yo ensemble avec partisan yo continue à terroriser population haïtienne nan dans toute impunité d'après ça yo d'après ça pays pre. D'après ça, pays Canada a précisé qu'il a développé une crise humanitaire dans le pays, qui déjà a gagné gros conséquences en tant qu'augmentation maladie choléra, et ça pourrait commettre également actes violence sous forme actimoun dans plusieurs côtés dans la population, qui déjà touché à cause prestations services essentiels, pas qu'à arriver joignio. Toujours dans sa pour avec dossier sanction, gagné statut juridique plusieurs haïtiens qui vivent dans pays États-Unis viennent mettre en difficulté pour sanctionner d'après ça, un journal dans la ville Miami fait connait en raison de statut juridique moun sa yo qui était ancienne personnalité politique, yo gagne gros difficulté pour sanctionner facilement dans pays États-Unis. Dans un article qui sorti vendredi passé dans le journal américain Miami Herald qui soulignait que sanctions ça doit fonder sous dossier qui établi par force l'audio. Certains monde qui accusé dans pays Canada capable de connivence avec gang dans pays d'Haïti, il y a plusieurs personnalités qui toujours poko sanctionné par pays États-Unis selon Miami Herald. Américain ont constaté que gain plusieurs noms sous liste que Canada mettait dehors qui a bénéficié protection juridique dans pays États-Unis. Ces responsables américains yo déclaré publiquement que moun sa yo yo épargné par sanction yo, y compris citoyens américains yo avec résident permanent légaux yo. Pourtant problème nan c'est que gouvernement américain depuis cet moun sa yo qui t'a ciblé et qui a bénéficié protection légale sa yo grâce avec statut immigrant yo, yo gagne chance pour protéger. Média a précisé que États-Unis capable facilement sanctionner ressortissants étrangers qui vivent sous territoire la Kaili à base dans des formations qui t'avaient joint ni bon côté service à renseignement. Mais sanctions contre moun qui résident légalement dans pays États-Unis, d'après sa Miami Herald fait connaître, doit fonder son dossier qui bien établi par force l'audio. D'autant plus que moun sa yo capable de traîner gouvernement américain devant la justice pour action en ou bien sanction qu'elle t'a fait contre eux-mêmes. Nous pour aller dans le département nos pays. Dans l'occasion 3 décembre, qui c'est journée internationale du monde handicapé, le réseau national associatif monde handicapé, RANFI, levé voile bien haut pour continuer à dénoncer la mauvaise situation handicapée à vivre dans le pays d'Haïti dans le dernier temps, surtout à la question de la vie chère, l'insécurité qui pas suspendre augmenter dans le pays. Plus de détails à correspondant nous Jean-Claude Geffrard depuis le département de notre pays. Samedi 3 décembre passé, c'était journée internationale moun handicapé. Dans l'occasion, réseau national associatif moun handicapé, RANIF, levé voile bien haut pour continuer à dénoncer mauvaise situation handicapé à vivre en Haïti dans les derniers temps.
surtout à question insécurité avec la vie chère qui participe à augmenter. Madame Anne-Vierge Compère, c'est trésorier national à régional nord, RANIF. Dans l'occasion de la journée internationale mon handicapé, levez voile bien haut pour dénoncer à toute force la situation crise sans pareil ça, cap départ fini à tout peuple haïtien. Situation malouque ça touché, puis dit encore mon handicapé. Côté, majorité nan yo dépend de yon l'autre monde. Ou bien, ça qui est capable de défendre yo pa gen aucune garantie pour yon point la ria à problème. Insécurité ça à côté, vie personne pas épanouie. En pile, moun handicapé déjà fait voile pour pays sans chapeau, en bas, insécurité, misère, à toute qualité, mauvais traitement. Société a même dans la famille. Yo. Mon handicapé yo lagué pour compte yo sans aucun secours, sans aucune protection. Personne pas diriger garder yo malgré yo crier secours. RANIF constate que bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo qui t'a doué yo à tout pour yo pas répondre à attendre. Dans même occasion, coordonnateur régional nord RANIF là, monsieur Palvessoir Pierrette, mandé l'État débouiller lui comme Jean-Jacques pour rétablir la paix et tranquillité en Haïti pour handicapés, suspendre victimes et pour yo ka vivre dans toute tranquillité. N'a continué pour mander BSTIPH qui était créé dans l'année 2007 dans objectif pour accompagner moun k'ap vivre avec handicap yo ak paran yo pour yon la vie meilleure. Biro sa pa yon kado. Se rezultat an pil batay RANIF ak an pil lot asosyasyon temene ansanm. RANIF rekomande PSEF pran responsabilite nan jwe bon jan. Mwayen pou fè moun handikapé yo kapab jwen an bon chanjman nan la vi yo. RANIF se premye rezo asosyatif moun handikapé depi kreasyon li nan l'ane 1994. Toujou a entreprendre toute une série d'initiatives tant pour présenter un cahier des charges qui est base loi pour l'intégration du monde handicapé avec une série de travail plaidoyer et sensibilisation pour forcer l'État à garantir le droit du monde handicapé dans tout niveau dans la société. Responsable RANIFIO dans la région Nord, tu as profité de la date 3 décembre pour te lancer 4 boulettes rouges sous bureau secrétaire de l'État pour l'intégration du monde handicapé. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes et Office Protection Citoyenne, ils dit qu'ils va sentir 4 travail tout bon vrai pour défendre le droit du monde qui est vulnérable dans la société. Merci en pile, Jean-Claude Geoffroy. N'a pas dans l'autre point de dominant actualité en divers nègres à exam saisi 30 novembre et pour arriver 1er décembre passé à 5 tibus qui fait trafic avec plusieurs machines privées avec une machine qui t'a porté gaz dans le niveau commune Liancou, département de la Tibonite, d'après président association propriétaire avec chauffeur d'Haïtien changé mais eu qui confirmé bon Dieu prend tout sac te gen dans machine ça yo et puis yo prend moun yo qui était dans machine là yo violé femme actifi. Syndicaliste là dénoncé inaction autorité yo par rapport avec situation insécurité en pays en cap vinn pi mal. En temps de déclaration changé meyu l'année pour 30 novembre pour déboucher sur 1er décembre et c'est le matin yo te prend un bus. Il a pour encore 20.3 encore, il fait 5 minibus. Minibus, ça, il y a un petit mystère qui sorti pour naïve. Mais c'est eux fouillent tout le monde, ils ont violé les dames, ils ont pris tout ça, mon autopoté, et ils ont déshabillé mon yo, ils ont tiré tout droit sur eux, ils ont chambé, et comment on dit ça? Deux qui traversaient au niveau de la Tibonite, mais c'est au niveau de l'Ion, et en plus ça passait, ils ont pris les dames, ils ont pris la base avec eux, juste pour qu'on parle avec eux, pour que les gens connaissent. Tout ça, mon ça au début, et c'est pas seul machine ça, ils ont été gros trucs, ils ont pris les machines privées, ils ont pris tout le monde ça, ils ont gagné un pick-up qui était porté plusieurs demi gaz, ils ont et plus gros camion citoyen qui va transporter gaz pour ce matin, il prend tout camion ça à tout gaz à et juste pour m'en parler avec toi, le cadre de gens réagit, c'est ça, ouais. Qui sont capables de mettre les choses dehors dans le bandit. Oui, il y a un viol collectif. Et alors,
au fur et à mesure, tout le monde va passer. Alors, c'est dans le même jour, mais tout le monde va passer. Même là, ça me donne là, il y a des quêtes de gommer, des quêtes de mesdames, et machines, il y a des quêtes d'abord, puis fouiller tout le monde, puis violer les dames. Et puis, il y a continué, et puis ça, c'est là, c'est bien sûr, pas même sorti. Oui, c'est bien sûr, pas même point, parce que c'est l'eau à vous, les zombies, pour que vous fassiez, Jacques, ça, vous venez faire au niveau de quoi. Oui, et dès que vous mettez la meilleure, vous venez pour trois. Si mon bis qui doit être des digits. Non, mais des marchés. Tout le monde vient d'avoir un mouet là, mais tout le masque qui doit être. Nous ne sommes pas quand même pas marcher à faire. Mais c'est l'État et pas oublié. Mon soeur qui trouve la position sans bois, il faut saisir. Des mouns qui boit la caille ou la caille, bien tout ça, vous faire. Parce qu'il n'y a pas qu'à marcher à faire. Quand le Canada n'est pas qu'à fréquenter lui, mais tout le monde connaît, il a passé par plateau central, parce qu'il a sorti sous police, il a passé par un banc. Et puis, il a sorti, comment on dit ça, et puis, Nous sommes dans les déclarations, président ACPH, changé, mais eu. Agent exécutif intérimaire Ville Cabaret a communiqué un nouveau bilan dans sa gangue avec un massacre gang qui a été fait dans la nuit 29 novembre passé dans ce mat là. Il fait qu'on ait 11 moun qui mourit, 17 cailles en boulé, et puis tout 4 machines avec 2 motocyclettes qui boulé. D'après magistrat Kabarea, il y a un petit calme pour qu'on est là par rapport avec la présence de la police et puis bandits qui a Almaron dans quelques zones dans Titanin avec Paul Afitoa. En tant que déclaration, Joseph Jenson Guillaume. Monsieur Ami est toujours occupé de la zone de Titan et de Afitoa. Mais après ma fois que tu finis d'un cheminant, il n'y a pas de carité. Parce que la police est intervenue avec la population, il n'y a pas de carité. Mais on peut se soit là, la majorité, presque quasiment, on peut quitter Gonnan. C'est-à-dire que des gens qui étaient là, qui étaient pas placés, qui étaient, et la police en support, et qui permettent que les gens n'ont pas totalement déserte. C'est comme ça, ça a évolué le moment, mais on connaît que certains calmes apparents, quelque part côté sur les chats, ça me retourne bas que Titan et la Fiton. Et certainement, on y a été très mobilisé, on y a été dans un lieu très mobilisé, on n'a pas placé pour ne pas quitter. Bon, on y a quitté ce matin. La barricade, on les trois barricades montées, mais on était dans le barricade. Mais avec la police, comme le sang, la police toujours. Et bon, dans la barricade, machine capable de traverser, mais depuis qu'il est dans la soirée. Le barricade, parce que le plus souvent, attaquant les soirées. Beaucoup de récemment, ils étaient venus, ils étaient contre les barricades, ils passaient par les liens. Oui, la police, toujours présente dans un an. Et nous, on a 17 écailles brûlées, environ 4 machines, c'est ça qui est officiel, 2 motos, et puis il y a 11 monde contre la population, et 10 garçons. Nous avons un pied casse avec Jacqueline qui tasse de côté, qui a retiré les colis, puis nous, on a dit qu'on a pris un monde. Et nous, on a l'autre, et il y a une gens encore qui fait en 4 qui dans notre hôpital 400. Il s'est arrêté pour revenir pour moi, pour revenir support de l'État central, malgré toute intervention pour ce radio, on veut un message là. Est-ce qu'il y a eu le mieux par exemple, comme ça fait un problème de téléphone, à cause de signal qui va passer des fois dans une compagnie qui travaille, deux compagnies de notre pays. Mais jusqu'à présent, c'est un peu. Et ceci, population aux abois, nous avons besoin d'aide. On va aider eux, nous les déplacer, même si la situation est également, et sa situation qui est vraiment difficile. Nous sommes dans les déclarations, Joseph Johnson Guillaume. Il y a un ancien sénateur Nenel Kassi dans le département Nipéian qui fait partie de branche SDP, qui en désaccord avec le gouvernement, condamné massacre bandit au fait semaine passée dans ce matin-là. Il demande aux autorités en place pour prendre bon Jean Mézi dans l'idée pour rétablir la sécurité dans le pays. En temps de déclaration, Nenel Kassi. Je pense que aujourd'hui, avec ensemble des massacres qui passent déjà dans le pays, nous devons un moment de paix. Côté pouvoir central, là, a pris toute disposition pour sécuriser la population. Mais nous remarquons que c'est détérioré, la situation a détérioré. Massacre sous. Là, d'accord, des citoyens paisibles qui n'ont pas engagé dans aucun conflit, victimes, genre victimes. Non. Ça, les révolte nous au niveau SDP. Et c'est pour raison ça, nous sortons note pour nous condamner ça passé. Hein. Et demander pour gagner des actions qui posent dans ce sens ça pour permettre que le peuple, la population, vive dans la tranquillité. Si l'autorité qui l'a n'est pas capable, il faut que d'accord, faut gagner une solution pour permettre que le peuple haïtien vive dans la sécurité, dans la paix, la tranquillité. Nous
connaît que c'est des groupes armés qui probablement attaquaient la population civile là. Et ça, pour nous-mêmes, nous condamnons les deux toujours qu'on a condamné. Et c'est inaction pouvoir, l'État en place là, qui mène un pays à la salle là. Non seulement c'est viol, petit monde a tombé, et grand monde a tombé, et jeune a tombé, commerçant, étudiant et professionnel. Et toute zone, yo, je dis, yo impraticable. Toute zone, yo, pour moi-même, yo inaccessible. Parce que la population n'a pas gagné support et force sécurité. Yo. Li pas gagné aucun accompagnement, encadrement pour permettre qu'il fonctionne. Petit monde pas protégé, grand monde pas protégé, femme yo pas protégé, femme enceinte, bébé yo pas protégé. Et c'est non une situation chaotique. J'en ai toujours qu'on dit là. Et lors de la situation, ça, c'est un front commun qui vous méthode. Mais au senti, pas gagné, et diligence, ça, je ne veux dire. Nous sommes des déclarations, Nenel Kassi, directeur central de la police administrative de CPA, inspecteur général Joanny Caneus, installé samedi 3 décembre dans la ville de Gonaïve, commissaire divisionnaire Jean-Bouissan Miantil, comme directeur départemental police dans la Tibonite. Commissaire Jean-Bouissan Miantil, remplacé Ralph Dominique, qui transféré dans la direction centrale de Port-au-Prince. Après initiative, plan Tayoté prend pour bloquer route nationale numéro 1 pour protester contre bandits qui payent, volaient et la trier, bandits gangriffio, paraît si maillé katouche pour faire population rentrer la caille. La police n'a pas de printemps pour te contrecarré bandits. Coordonnatrice sans programme VIH SIDA dans la direction départementale santé à la Tibonite, Miss Ketura Rinche, dans le cadre d'une journée mondiale maladie VIH SIDA, fait qu'on est, ils mettent sous pied, ils ensemble activité, non seulement pour rendre hommage à tout le monde qui mourit avec maladie ça, mais ils visé pour l'année 2030 pour gagner zéro monde qui trappe maladie VIH SIDA. Divers nègres à examen saisis, sorti 30 novembre pour arriver 1er décembre, 5 bus qui ont fait trafic. Plusieurs machines en privé ak yon machine qui t'a poté gaz dans la commune Liancourt. Président APCH l'an changé mais mandé autorité au pays pour rétablir sécurité dans le pays pour permettre à la population capable de vivre plus bien. C'était Point Sayo avec divers slots nous arrivé développé pour un journal. Daniel Lé pour journal lundi 5 décembre 2022.